Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment avoir accès aux réponses de vos élèves. Si vous voulez avoir accès aux réponses de vos élèves, il faut créer, dans le fond, Mes classes. Alors, en cliquant en haut à droite, vous pouvez vous créer une classe. Alors, en donnant vous-même le nom, en l'indiquant ici, en la créant. Une fois qu'elle sera créée, vous avez le choix de créer les comptes de vos élèves vous-même. Alors, avec un nom d'utilisateur, un mot de passe, le prénom, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, les importer si vous avez, comme on le dit ici, à partir d'un fichier Excel. Vous pouvez aussi utiliser directement dans la compte de classe, d'inviter les élèves. Donc, les élèves pourraient, par exemple, rentrer directement par ce code QR et ils devront créer leur compte. Alors là, il faut faire attention parce que, comme il existe des paramètres dans vos commissions scolaires pour utiliser les adresses e-mail, la création des comptes, vérifiez si vous avez le droit, si vous avez des jeunes de moins de 13 ans, de leur faire créer un nouveau compte. Alors, une fois que ces comptes-là sont faits et qu'on a accès donc à mes classes, vous pourrez voir donc les statistiques de vos élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait et leurs activités, où ils en sont rendus. Alors, c'est intéressant, mais il faut vraiment juste voir les règles d'utilisation de création de compte. Alors, je vous souhaite une bonne exploration par rapport à cette option.